Notre invité aujourd'hui dans la Playzone est un mec cultivé, drôle, qui aime la philo et la littérature. Il a la compétition dans le sang, que ce soit dans un bassin ou devant un écran. Quand certains collectionnent les trophées PlayStation, lui accumule les médailles olympiques. Bienvenue au retraité le plus cool de France. Yannick Agnel, salut, on est très heureux de te recevoir dans la Playzone. Salut, salut. Bah écoute, c'est un plaisir également. Alors tu fais 2m02 et tu choses du 50 si tu le souhaites. Tu as juste à l'entrée à gauche des pantoufles. Juste pour toi, ça c'est un coup des mecs de l'équipe. Hein. Tu leur mets 50 cm dans la vue. T'es fan de Duke Nukem, je pense qu'ils ont essayé de te kawaïser. Je vais tenter ça. C'est très mignon. Je suis pas sûr que t'ailles très vite dans un bassin avec ça, mais... Non mais je pense que je vais les garder pour la maison, écoute. Hein. Mais écoute, tant que tu vas très vite aux jeux vidéo, c'est important. Oh, PSP, j'ai passé tellement de temps avec ça. Tu jouais dessus. À quoi Je jouais pas à grand chose sur la PSP, mais en fait je regardais des films dessus. Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, genre Fou d'Irène et compagnie, que je me repassais en boucle. Alors il y a plein de jeux juste devant toi, je vois que tu t'es arrêté là au lieu de rentrer complètement dans le salon. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de gamer? Oh, mon tout premier souvenir de gamer, ça doit être la Mega Drive que mes parents avaient. Ouais. Donc ça devait être du Sonic. Alors justement, j'ai passé en revue la liste de tes jeux cultes et je les valide tous, hein, de Crash Bandicoot à The Witcher 3. Ouais, il y a eu une évolution un peu... Ah, c'est incroyable. Oh, bienvenue. Est-ce que je peux avoir le même intérieur chez moi? Mais écoute, on peut te conseiller notre chef déco, hein, aucun souci. Il peut venir à domicile. Yannick, vas-y, je te laisse évoluer dans la Playzone. Comme tu peux le voir, tu as une cuisine qui est totalement fonctionnelle si tu as envie de te faire des pâtes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu manges? Non, je mange ce qui me passe sous la main. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il s'agit de soirée entre potes ou est-ce qu'il s'agit de jouer un petit peu tout seul? Mais je sais pas, quand tu joues plus entre potes tout seul? Ouais, non. Avec des potes. Potes, évidemment. Donc, c'est soirée pizza, quoi. Ouais. C'est des trucs qui sont pas très, très sportifs, malheureusement. Il y a des jus de fruits si tu veux te servir. Ouais, si tu veux prendre quelque chose à boire, n'hésite pas. C'est ma caution bio. Si t'étais un personnage de jeu vidéo, tu serais qui? Je sais pas. Un Nathan Drake, peut-être? Ouais, peut-être. Ouais, hein. Ouais, complètement. Qui est un jeu, d'ailleurs, auquel je n'ai jamais joué. Que quoi? Ah, il faut que tu recommences dès le début, parce qu'il y a vraiment des intrigues qui sont très très bien faites. Ouais, c'est le Lara Croft masculin qu'on attendait tous. Pareil. Alors, je vais te demander de faire un truc un peu moins feel-good, c'est de mettre la tête dans le four, hein, parce qu'il y a quelque chose qui t'y attend. La tête dans le four? Dans l'enveloppe se trouve un papier. Ah oui, d'accord. Et sur le papier se trouve le nom d'un jeu auquel tu vas jouer aujourd'hui. Ah, écoute, pourquoi pas, Destiny 2. Destiny 2, Renegade. Renegade. Donc tu es bien installé confortablement dans le canapé, on est parti pour jouer à Destiny 2 Renegade, le nouveau DLC que tu avais hâte de tester, on s'en doute. Pour faire un petit état des lieux de là où on en est, tu arrives dans une prison, Kate Six est là et tu dois t'occuper des niveaux de la prison. Tu dois défourailler comme on dit dans le jardin. Voilà, exactement. Tu dois y aller, tu tires dans le tas. C'est parti, allez, on est dedans. C'est parti. Et j'ai qu'un petit flingue quoi, j'ai pas le droit de... Écoute, t'allais pas partir avec un avantage quoi. Ah ouais, impeccable. Tu maîtrises quoi. T'es plutôt corps à corps toi dans les FPS. Ça dépend. Ouh là là, attends, il faut que je me cache. Ah ben oh, voilà, tu vois. Eh ben voilà. Et voilà. Vous êtes à terre. Dommage. Ah attends, ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Ah bah dis donc. Ça va les gars. Attends, je me fais exploser là. Par derrière, regarde. Ah. Généralement, tu joues pour te détendre ou pas? Oui, alors en fait, c'est un moyen que j'ai trouvé si tu veux après l'entraînement, pour vraiment d'abord être avec mes potes et puis un moment où je peux ne pas être compétitif, tu vois, à fond. Donc être vraiment une buse. Ouais, t'es pas dans la game, t'es juste dans on tire, die voilà, and retry. Exactement. C'est un peu la solution de facilité dans la mesure où bah, quand tu rentres chez toi et que t'es complètement vidé de ton énergie, le premier truc que tu fais, c'est que tu t'affales sur le canapé et t'allumes la PS4. C'est quoi le jeu qui t'a le plus accompagné pendant tes entraînements? Je dirais un peu de tout. Alors après, moi j'aime bien les RPG en général. Ouais. Ceux-là, ils explosent, donc il faut pas... Voilà. Ceux qui t'emmènent dans une histoire? Ouais, exactement. J'aime beaucoup. Et j'aime en parlant d'histoire, on va pas tarder à passer à ton histoire à toi. Donc je te laisse choisir si tu... tombe au combat, ou alors si tu fais un dernier coup d'éclat. Adepte de Megor, prends ça. Ah ben voilà. Oh, oh non, ah, dommage. Quasiment, tu peux encore l'avoir. J'aimerais vraiment pas qu'on parte dans cette playzone sur un pied de frustration.
Tant pis, mais c'est pas grave. Mais c'est pourtant ce qui va se passer. Tant pis, c'est pas grave. Il faut vraiment que je m'améliore. Attends, bravo pour cette session de jeu en tout cas. Eh ben écoute. Je te laisse te lever et te diriger de nouveau vers la cuisine, s'il te plaît, avec ton petit verre de jus. Avec le petit verre. Yes. Et mes pantoufles. On a retrouvé. Oui. Si tu vas sur la droite, si tu vas te diriger vers l'escalier, on a retrouvé ton brevet de 25 mètres nage. Tu peux voir une photo, normalement, qui est pas loin. Ça, c'est pas tout jeune. Raconte-nous, du coup, l'histoire de ce brevet. J'avais 6-7 ans et c'était avec l'école, je pense. On était dans une piscine municipale de Nîmes, donc, qui est la ville où je suis né et où j'ai grandi. Et j'ai commencé la natation parce que mes parents ont eu la chance d'avoir assez de sous pour faire construire une piscine. Il fallait absolument que je sache nager et que j'évite de me noyer dans la piscine de mes parents. Et voilà, on avait des amis dans le même lotissement que nous à Nîmes qui faisaient partie du club de Nîmes et de natation. Et du coup, ça a commencé un petit peu comme ça. Donc tu as commencé tout petit la natation et ensuite tu as grandi et tu as décidé de flinguer des guitares sous l'eau. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? C'était une photo que j'ai faite pour un ancien sponsor à moi qui est Nabeiji. Et en fait, on était censé shooter une vidéo pour un MP3 aquatique. En fait, il y a un type qui était censé me suivre dans cette publicité avec une guitare dans l'eau, en ayant peine à jouer, etc. Et donc, en fait, je lui ai dit, mais donne-moi ta guitare. Je crois qu'il y a une photo pas mal à faire. Et voilà, donc en fait, j'ai plongé et puis on a pris ça. Donc, c'était à l'époque où j'étais encore svelte, voilà, où j'avais pas fait une grossesse. Où j'étais encore svelte, n'importe quoi, ce qu'il faut pas entendre. Écoute, étant donné que t'es insolent et que tu commences à complexer tous les membres du plateau, je vais te donner un petit challenge, c'est Allez, le moment dis-moi. Challenge. Le challenge cette semaine sera pour toi de battre ton propre record du 100 mètres nage libre sur International Track and Field. Ton record c'était 47 secondes, c'est ça ? Oh, 47,7, si je dis pas de bêtises, ou 47,8. Ouais. On t'a préparé deux pâtisseries. Une pâtisserie assez classique dans le frigo. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est un cheesecake. Tout le monde adore le cheesecake, a priori. Ah, ouais. Tu pourras manger ce délicieux cheesecake accompagné de ce petit jus d'orange. En revanche, si tu rates, tu devras manger l'autre cheesecake. L'autre, qui c'est quoi ? Qui est épicé, évidemment. C'est horrible. C'est un cheesecake poireau épinard ail. Le truc non. que tu n'as pas envie non, de vous manger. Avez pas le droit. Je vais avoir une haleine à défriser un caniche avec ça après. N'oublie pas que tu as 3 essais okay. pour Alors battre je fais ton start. Record. Tu Et derrière, on est parti quoi. Et derrière, on est parti. Tu plonges et tu bourrines. Vas-y. Appuie toutes tes forces. Allez, c'est bon là, ça va. Ah, attends, on sait jamais hein. N'oublie pas que c'est un jeu sur une ancienne console, donc c'était beaucoup plus dur à l'époque. On n'est pas à l'abri d'un petit revirement de situation, attends, mettent, tu vois. Ils me mettent des petits. Ils mettent la pression. Ah, et des tout. Petites accélérations. Tchac. Ah, mais là. Allez, c'est bien. Tiens la cadence. Putain, mais attends, c'est un truc de ouf, hein. Ah là là, j'en ai mal au trapèze. Tout ça T'as pour faire 1 minute 12 J'abandonne. Mais franchement, il vaut mieux le faire dans la vraie vie, hein. De toute évidence, ce premier essai n'était pas concluant. Je vais te donner une petite astuce. Prends un petit bout de ton t-shirt. Tu le mets sur les deux boutons. Ah oui, tu veux que je fasse comme ça. Voilà, c'est vraiment la technique à l'ancienne. Deuxième essai, c'est parti. Ah. Je suis pas sûr que ça marche incroyablement bien. Ah si, regarde. Pas mal, ah ouais, hein. Pas incroyable. Ah, mince, j'ai... Oh non. Tu t'es arrêté en plein milieu du bassin. Non, attends. Bah alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le trick qui fait bugger. T'as encore un essai. De toute façon, t'étais à 45 secondes Vas-y, en plein milieu du bassin. Ouais, voilà. Autant te dire. Je pense que c'était mort. Qu'on n'était pas parti pour gagner. Vas-y, cette fois-ci, c'est la bonne. Oh là là, qu'est-ce que c'est stressant. Oh là là, mais c'est impossible à faire. Qu'est-ce que c'est que ce dingue. Défi Par contre, qu'on le t'a jour donné. Où t'as une avance comme ça sur un 100 mètres, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est déjà mieux. Faut savoir qu'aujourd'hui, le record du monde, il est à 46 secondes. Oh waouh. On va résumer, tu as perdu ce challenge. J'ai perdu ce challenge, donc je vais devoir me taper le truc à l'ail, c'est ça ? Je vais sortir les deux, comme ça on va pouvoir voir à quel point vous êtes détestable. Oh, oh la vache. Attends, je vais en prendre un tout petit bout alors. Là, je suis pas... T'es pas sûr. Non, franchement, merci beaucoup PlayStation. Franchement, vous êtes vraiment les meilleurs quoi. Non, c'était un plaisir de venir dans votre émission. C'est vraiment la régalade. Allez, bon appétit. Oh là là. Ah, dégueu.
L'émission touche à sa fin. Juste avant, j'avais envie de te demander, il paraît que tu es en train d'écrire un livre pour inspirer les jeunes. Ouais, pour inspirer les gamins. Est-ce que je peux bouger un peu dans la pièce? Mais tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Il y a des trucs complètement ouf là. Je vois les Elder Scrolls Online, des sabres laser, The Last of Us et tout, c'est un truc de ouf. On est en train de l'écrire, donc voilà, c'est avec... je donne une exclusivité hein, avec les éditions Hachette. Donc là, en fait, ils sont venus me voir en me disant, bon, ben, voilà, on aimerait faire un truc pour les gamins. Et que ça soit, que ça soit un peu cool, inspirant et carte blanche. Et donc voilà, ça va être une histoire un peu fictionnelle, complètement même, et inspirée de moments que j'ai vécu. Mais écoute, félicitations Yannick pour cette initiative et pour sortir du gossip game et pour inspirer la jeunesse qui paiera notre retraite. En attendant de signer ton ouvrage, si tu peux te diriger vers la table basse et prendre l'une des manettes de PlayStation avec lesquelles tu as joué, la bleue en l'occurrence. La bleue. Et il est l'heure de dédicacer ta manette qui trouvera sa place sur le mur de la Playzone. J'ai le droit d'aller regarder les autres manettes. Bien sûr, vas-y. Tous les invités qui sont passés avant toi. Ah, excellent. Bah, y a un mec sur deux qui est un pote, donc... C'est vrai? Ouais, je te jure. Tarek, je l'ai jamais rencontré, mais ses films, pour moi, c'est un truc de ouf. Greg Romano, je crois que c'est un niçois aussi. Donc, ouais. On partage pas mal de trucs et on se suit mutuellement sur les réseaux sans s'être jamais rencontrés. Mais j'espère que ça se fera un jour, ça serait cool. Mais tu peux lui passer un petit message en regardant la caméra en bas à gauche si tu veux. Eh ben écoute, pourquoi pas. Écoute Greg, je te donne rendez-vous à Paris quand tu veux pour un café et pourquoi pas une petite partie de PlayStation. Voilà, je te prends sur n'importe quel jeu. Ah, oh, Breakbot, truc de ouf. Ah, mais moi je peux rester toute la journée ici. Mais ça tombe bien, tu vas rester juste après que nous ayons terminé. Nous allons partir. Allez, je prends quoi? Je prends le stylo en or. Parce oui, que, si tu veux. Parce que toujours premier, évidemment. Qu'est-ce que tu es en train de nous écrire? C'est un secret. C'est un secret? Ouais. C'est un secret, mais est-ce que tu pourras nous le montrer à la caméra juste en face de toi, juste après? Non. Donc évidemment, médaillé olympique, c'est fait de mauvais jeux de mots, donc ça c'est pour vous. Merci les potes. Nagez dans le bonheur. Ah, ça c'est sympa. Et voilà. Et au milieu, ton nom et prénom correctement orthographiés. Voilà. Yannick, tout simplement, parce que voilà. Yannick, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre dans la Playzone. C'est un réel plaisir. Je te laisse profiter encore quelques instants de cet espace. Tu peux te réinstaller sur le canapé pour jouer. Tu peux continuer de regarder les manettes. Tu fais ce que tu veux. Je vais faire ça. Tu es ici chez toi et tu reviens bien entendu quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine Playzone. Salut.